donne la vie. À tes pieds, je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie à l'aube douce du soir, comme s'asseyait en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Mettre à tes pieds, je répands en moi ton
Aigles, puissance, beauté et survie. Bienvenue dans notre documentaire sur les aigles, ces fascinantes créatures qui volent en maître sur le ciel. À travers cette première partie, nous allons découvrir surtout les différentes espèces qui existent,
leur biologie et leur comportement. Nous sommes sûrs que vous ne perdrez pas ce moment, vu la quantité d'informations intéressantes qui vous attendent concernant ces oiseaux spéciaux. Les aigles forment un groupe diversifié d'oiseaux de proie répartis dans le monde entier, avec des adaptations spécifiques à leurs habitats et à leur mode de vie. Voici un aperçu de la diversité des espèces d'aigles. 1. Aigle royal, Aquila chrysaeto. L'aigle royal est l'une des espèces d'aigles les plus emblématiques et reconnaissables. On le trouve dans divers habitats, des montagnes aux plaines ouvertes. Il a une envergure impressionnante et est connu pour sa puissante bec et ses serres. 2. Aigle pygmée, Aquila pomarina. Cet aigle est plus petit que l'aigle royal et est principalement présent en Europe. Il se nourrit principalement de petits mammifères et d'oiseaux. 3. Aigle pêcheur, Aliaetus leucocephalus. Également connu sous le nom d'aigle à tête blanche, il est originaire d'Amérique du Nord. Il se nourrit principalement de poissons et est souvent associé aux habitats aquatiques. 4. Aigle impérial, Aquila eliaca. C'est un grand aigle que l'on trouve en Europe de l'Est et en Asie centrale. Il est en danger en raison de la perte d'habitat et de la chasse. 5. Aigle des steppes, Aquila nipalensi. Cet aigle est répandu dans les régions ouvertes de l'Asie, notamment les steppes et les déserts. Il se nourrit principalement de mammifères terrestres. 6. Aigle criard, Aquila audax. On le trouve en Australie, en Nouvelle-Guinée et dans certaines parties de l'Asie. Il est connu pour son cri distinctif et son plumage sombre. 7. Aigle d'Afrique, Aquila veroxi. Présent en Afrique subsaharienne, cet aigle se nourrit de mammifères et d'oiseaux. Il est réputé pour sa robustesse et son habileté à chasser des proies de taille importante. 8. Aigle de Véro, Aquila veroxi. Il est également présent en Afrique australe. Il se distingue par son plumage foncé et son comportement de chasse spectaculaire. 9. Aigle des Philippines, Pithecophaga geoffrey. C'est l'un des plus grands aigles au monde, endémique des Philippines. Il est en danger critique d'extinction en raison de la perte d'habitat. 10. Aigle noir d'Australie, Ictinetus malayensi. On le trouve en Asie du Sud-Est et dans le nord de l'Australie. Son plumage noir et ses ailes larges en font un spectacle impressionnant en vol. Biologie et comportement des aigles. La biologie et le comportement des aigles sont fascinants et adaptés à leur mode de vie de prédateurs aériens. Voici un aperçu de la biologie et du comportement des aigles. Biologie des aigles. 1. Anatomie. Les aigles sont des oiseaux de proie de grande taille. Ils ont de puissants muscles pectoraux qui leur permettent de voler haut et rapidement. Leurs ailes sont larges et leurs serres sont très acérées pour saisir leur proie. 2. Vision. Les aigles sont célèbres pour leur vision exceptionnelle. Leurs yeux sont équipés de lentilles puissantes et de rétines riches en cellules sensibles à la lumière. Cette vision accrue leur permet de repérer des proies potentielles depuis de grandes distances. 3. Régime alimentaire. La plupart des aigles sont des prédateurs carnivores. Leur régime alimentaire varie en fonction de leur habitat, mais il comprend généralement des mammifères, des oiseaux, des poissons et parfois des charognes. Comportement des aigles. 1. Chasse. Les aigles sont des chasseurs redoutables. Ils utilisent souvent leur vision acérée pour repérer leur proie depuis les airs, puis ils plongent en piqué à une vitesse impressionnante pour les capturer. Leurs serres puissantes leur permettent de saisir fermement leur proie. 2. Territorialité. Les aigles sont territoriaux et défendent souvent de vastes zones de chasse. Ils peuvent être agressifs envers les autres aigles qui pénètrent dans leur territoire. 3. Cycle de vie. Les aigles ont un cycle de vie fascinant. Ils construisent des nids massifs, souvent perchés en hauteur, où ils pondent leurs œufs. Les aiglons naissent aveugles et dépendent des soins des parents pour leur nourriture et leur protection. Ils grandissent rapidement et commencent à voler après quelques semaines.
4. Migration. Certaines espèces d'aigles, comme l'aigle royal, sont migratrices. Ils parcourent de longues distances chaque année pour trouver de meilleures zones de chasse ou de reproduction. Leur capacité à naviguer sur de longues distances est remarquable. 5. Communication. Les aigles utilisent diverses vocalisations pour communiquer entre eux. Leurs cris peuvent servir à établir la communication entre les partenaires, à marquer le territoire ou à avertir d'un danger. 6. Longévité. Les aigles ont une durée de vie relativement longue pour des oiseaux sauvages. En moyenne, ils peuvent vivre de 20 à 30 ans, selon l'espèce et les conditions de vie. 7. Socialité. Les aigles sont généralement des oiseaux solitaires, mais ils peuvent former des couples monogames qui restent ensemble pendant plusieurs années, voire toute leur vie. L'étude de la biologie et du comportement des aigles est essentielle pour mieux comprendre ces oiseaux majestueux et pour contribuer à leur conservation. Les aigles sont des prédateurs importants dans de nombreux écosystèmes et leur rôle est crucial pour maintenir l'équilibre écologique. Merci d'avoir regardé cette première partie de notre documentaire sur les aigles. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau sur ces oiseaux magnifiques et impressionnants. Ce que nous avons découvert aujourd'hui démontre une fois de plus que l'œuvre de la création ne peut être le fruit du hasard, car si les grands animaux, les lions et les éléphants que nous avions déjà vus ont un mode de vie aussi organisé que ces aigles que nous venons de voir, c'est tout simplement parce que Dieu, notre Créateur, a tout planifié même avant de mettre à exécution son œuvre créatrice pendant les 6 premiers jours de la création de notre monde. Si nous disions « Gloire et louange soit à Dieu seul », nous n'aurions pas tort. Capitaine moi gouvernement pas fait moi paix m'pap quitté problème yo trouble moi quoi non pour mes bon Dieu moi c'est un monde béni. Parce que promesse li au réel, confiez non li, victoire moué, assuré. Oui, moi, gai espoir, joie pas loin, combat mi ou va finir, moué pas viré j'aime. Oui.
avec tout téléspectateur, nous-mêmes qui ap suivre nous sur différents réseaux, soit sur Facebook ou bien sur YouTube, qui ap suivre MEODH. Nous sommes contents pour nous capables avec nous dans le cadre d'ouverture de sa base spéciale, c'est la famille Andéden. Et nous voulons annoncer, nous sommes capables là, nous constituer famille Hippolyte Jean-Claudin avec ma femme, ma petite princesse, Sénor Gerta, et mon garçon, Kent Brian Arthur Hippolyte, et ma fille, mon petit ange, Chloé, Mi-Alexis, Chloé, Hippolyte. Nous formons cette famille qui est avec vous cet après-midi dans un cadre spécial pour l'ouverture de sabbat, la famille en Éden. Tout à l'heure, nous sortis ouais ensemble vidéo ça sur les aigles. Aigle qui capable apprendre nous yon paquet de leçons. Mais nous voulons d'abord considérer le fait que nous avons parlé de la nature. Et le sabbat, yon un rôle que li gen, c'est rappeler nous que bon Dieu, c'est lui-même qui est créateur là. Yon nan bagay mkembe nan dokumantèr la et me pense ki important pile pour nous, c'est le fait que yo souligner pour nous comment pa gen anyen nan natyur la ki fèt ou azar. Pa gen anyen nou tapab devwe pou le azar, si paske se bon Diyo ki kreye tout bagay net ki egziste. Ebyen, frèm avèk semyo, nou kapab wè ke les aigle, yo mèm yo gen yon seri de aspek ki important e ke nou tapab parle tout au nivou de la fami. Premièrement, nou wè ke aigyo yo gen de la komunikasyon. Et communication, c'est un pilier qui est très intéressant pour famille. Pas une famille qui réussit, pas une famille qui vit bien sans que y ait pas communiqué. Pas vrai, princesse? Oui. Donc, évidemment, communication, c'est un bagage Y a un outil qui est très important. Très important en dedans yon famille. Et nous capable garder tout yon bagage que nous attirer attention nous, c'est la vision. Nous capables que Aigla, il parlait de vision pour lui par rapport avec cette capacité que lui gagnait pour lui capable ouais loin pour lui capable chercher poil. Mais nous capables prendre même mot vision ça nous mettait dans le sens de capacité que en dans famille que nous devons développer peut-être pour nous capables gagner des plans de développement. Donc lorsque nous gagnons des plans de développement en dans famille nous que nous fait avec l'aide bon Dieu que nous capables gagner des objectifs que nous fixer et que nous combattre pour nous capables réaliser ça c'est un bagage qui est intéressant. Donc tout comme l'aigle qui capable ouais poil de très loin étant eh bien à l'intérieur de la famille, gon série de problèmes, gon série de difficultés que nous avons fait face avec yo, faut que nous capables anticiper yo pour nous voir comment à grâce bon Dieu nous capables résoudre yo. L'autre bagaille qui intéressait encore lorsque il a parlé de aigle, c'est cette volonté yo gagner pour yo capable kembe territoire yo, que yo rive livrer de rudes combats pour yo capable rive conserver territoire yo. De même que nous-mêmes jodia qu'il faut constituer une famille, nous devons mener combat ça pour capable kembe territoire nous, pour nous capable kembe famille nous contre et contre n'importe qui. En fait, nous toujours dire c'est que la famille, lorsque nous vivons en famille, c'est que nous former une équipe contre tout l'autre monde, c'est dans l'autre équipe yoyé. Mais première équipe qui primordiale là, c'est monde qui dans famille yoyé. Moi-même pas j'ai oublié ça, c'est que j'établis dans ma vie des suites de priorités. C'est que notre priorité que nous gagnons dans la vie nous, c'est que nous gagnons d'abord bon Dieu et puis par la suite nous gagnons famille nous et puis après les amis et puis après tous les autres. Mais c'est Dieu et la famille d'abord. Voilà pourquoi, comme l'aigle, nous devons battre ou bien combattre contre le péché pour ne pas prendre territoire sur nous. Nous devons battre ou bien combattre contre tout l'autre monde qui voulait prendre territoire en dedans la caille nous ou bien en famille nous. Nous devons battre ou bien combattre contre toute bagaille qui est capable de mettre zigzani en famille nous. Et nous sommes capables d'attirer attention tout sur cette affaire de sociabilité chez les aigles. Les aigles, ils croient que ils vivent souvent de façon solitaire, mais remarquez que yo pas capable passer tout des années en monogamie. Yo capable passer tout des années ensemble. Ainsi donc nous-mêmes en tant que humains que cette affaire de sociabilité c'est important parce que nous pas appelés pour nous vivre
pourquoi nous n'ont pas appelé pour nous vivre de façon, comment tu as dit ça, hors directement d'une société. D'ailleurs, il est dit que dans la Bible aussi, le récit de Genèse qui parlait de la création, que Adam se sentait seul. Et voilà pourquoi Dieu a créé un être semblable à lui. Donc, c'est-à-dire, si je dis, c'était moi-même qui dans le jardin, nous t'as dit, c'est comme si bon Dieu créait cette princesse pour mettre à côté moi, pour nous capables de créer cet être qui semblable avec moi pour nous capables vivre. Donc nous sommes appelés nous autres en tant que famille à vivre en toute sociabilité, à s'arranger. Alors nous pas voulons finir sans nous pas citer ce texte de Ernst qui dit que non, généralement et si on monde pas qu'à vivre en société, si on monde pas qu'à vivre avec l'autre monde, c'est soit parce que ou c'est une forme de divinité ou bien parce que ou pas monde. Donc nous appelés pour nous capables vivre ensemble, nous appelés pour nous capables vivre en société et nous appelés surtout pour nous capables vivre en famille. Pour nous-mêmes qui vivons en famille, même gens avec moi, nous connaissons combien de sacrifices que nous capables faire. Même gens aigle dans la capacité migratoire, il est capable de voler, aller très loin à la recherche de nouveaux proies, il est capable de voler, aller très loin à la recherche de nouveaux abris. Nous-mêmes nous connaissons bien combien sacrifice que nous fait déjà dans la vie nous justement pour nous capables retrouver nous à côté de famille nous. Donc et nous content après-midi pour nous capables joindre ces conseils chez les aigles pour nous capables appliquer dans la vie nous et surtout pour nous capables mener une vie de famille en toute quiétude. Donc princesse, c'est malgré Chloé a baillé petit problème, même penser que ou t'ai un mot pour capable dire dans ça pour nous capables finir. Donc, nous sommes capables de comprendre ça, c'est directement la vie en famille, des enfants qui décident de ne plus rester. Donc, on peut comprendre tout ça. Donc, voilà, nous avons passé dans la première rubrique et dans quatre programmes nous pour après-midi, qui titrait « Dieu nous parle à travers la lecture de la Bible ». Allons-y, mon amour. Donc... N'a choisi un numéro. Le numéro 1. Et puis m'a demandé pour qui ça? C'est parce que Seigneur ouais ça ou t'es fait madame ou t'es marié, là ou t'es jeune là. Ou pas qu'embé promesse ou t'es fait là, ou t'es passé contrat avec elle. Ou te promet bon Dieu ou tap kimbel pour madame ou pour tout temps. Verset 15. Est-ce que bon Dieu pas te fait nous tourner yon sel ko ak yon sel nom? Pour qui ça li te fait ça? C'est pour nous te ka faire petit qui pour servir comme ça, faire respecter nous. Respecter promesse nous te fait madame nous te marié, les nous te jeune. D'accord, merci. N'a demandé pour internet yon capable réagir. Verset pour nous. Malachi 2, verset 14, 15. Et puis, nous avons demandé pour qui ça, c'est parce que Seigneur a oué, ça ou fait madame ou te marié, le, ou te jeune. Ou pas que be promesse ou te fait là. Ou te passé contre avel, ou te promet bon Dieu ou tap kembel pour madame ou pour tout temps. Est-ce que bon Dieu pas te fait nous tourner yon sel roi yon sel nom? Pour qui ça li te fait ça? C'est pour nous te ka faire petit nous servir comme ça faire respecter nous respecter promesse nous te fait madame nous te marié les nous te jeune. Ces moments côté que nous avons invité ou même auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice pour être capable de relayer et ben nous prendre vue sur ce sujet là pour capable de relayer et dire nous qui sont pensés de texte qui très profond. Donc n'attend que vous relayez pour capable participer avec nous. Pour capable bailler au numéro, rappeler au numéro pour capable relayer.
Numéro affiché en bas écran, vous capable de lire pour vous, princesse? Donc, numéro 1, c'est 35 92 62 61. Nous attendons auditeurs, auditrices, nous attendons pour avec nous, pour capable parler, pour capable ban nous, pour être vu sur ce sujet. Et je ne sais pas qu'on a quitté seulement Chloé qui voulait parler dans ce sujet. Bonsoir, mais moi, je suis le frère de ces petites. N'a demandé pour s'il vous plaît pour capable reprendre texte là pour nous. Reprendre texte là pour moun yo capable bien tendre, pour moun yo capable réagir. N'a reprendre lecture là pour nous s'il vous plaît. C'est Malachi. Malachi 2 verset 14 15. Et puis n'a demandé pour qui ça? C'est parce que c'est à ouais ça ou fait madame ou t'es marié, là ou t'es jeune. Ou pas que mes promesses ou t'es fait là. Ou t'es passé contrat avec elle ou t'es promettre bon Dieu ou t'a kembe pour madame ou pour tout temps. Est-ce que bon Dieu pas te faire nous tourner un seul corps ak un seul nom? Pour qui ça il t'a fait ça? C'est pour nous t'es ka fait petite qui pour servir. Comme ça fait respecter nous, respecter promesse nous te fait madame nous te marié les nous te chaîne. Nous attend appel nous attend nous. Allô. Alors bonsoir ma sœur, nous content recevoir dans l'émission après-midi. Nous attendons point de vue sur texte que sort l'IA. Merci, moi-même tout mon content dans l'émission. Et point de vue Pam, c'est que moi je pense que c'est vraiment important pour monsieur de faire bien attention. Le prend jeune petite madame la caillou et puis marié avec yo. Et puis venir vers un temps le madame commencer faire petit, il commencer pour qu'on ait, t'étais commencé à déjà pas même genre quoi, fraîcheur commencé pas même genre quoi. Donc monsieur, qu'on vit les yeux, regardez l'autre côté, mais Bible ni même y invite nous, puisque nous marié avec madame nous, et quelque soit ce qu'on qui va arriver, c'est pour nous pour ce madame nous, c'est pour vraiment madame belle et pour nous rester avec madame nous. Donc c'est ça qui est opinion. D'accord, merci. Maintenant, décidons l'autre monde. N'attend on l'autre téléspectateur qui capable participer avec nous et dans cas de pour texte qui saut li Malachi chapitre 2 verset 15, Malachi chapitre 2 verset 15 et 16. Donc numéro que nous capable reler c'est 35 92 62 61. Donc si pas gain l'autre monde encore. Allô. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Mon papa, c'est moi-même ça
mwen ka reme konnen de sujet ke nou ap trete, an. Pekso di sa mou osi moun nan pa kon. Je peux avec tout ça que le mari merci. Parce que des fois, je comme le monde marié, je commence bien propre, après je finis mal. Si vous n'avez pas arrêté, mais ce n'est pas le monde qui cause, c'est le fille qui cause. Ma poutée, non, je vais. Vous capable de reprendre pour nous, reprendre question pour nous, s'il vous plaît? Oui, moi dis pour ça que si mon nom lui marié avec jeune fille ça côté autre depuis dans jeune fille ensemble il vient nous point que il pas arrêté avec mes problèmes là c'est pas monsieur assez puis qui créé des problèmes qui sont pas arrivés d'ailleurs me connaît cette femme de te disposer avec lui mais si mon nom c'est qui pas arrivé avec même parce que son bon grand est marié. D'accord, merci. Nous apprenons l'autre réaction yo, avant même que nous sommes capables de réagir. Allô? 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 Alors, est-ce que monsieur a capable venir yon pongongon jan sur lundi là ou bien est-ce que madame nan capable venir yon pongongon qui pour empêcher que famille là évolue? Allô? 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 Oui, allô mon frère. Bonsoir la famille. Bonsoir, vous m'avez calé ou en direct ou capable d'intervenir avec nous? Ok, d'accord, moi-même c'est la famille Pierre-Thierry Lage qui a coûté nous Las Vegas. D'accord, nous comptons avec vous. Ok, monsieur Edmond, mon joyeux sabbat et une bonne adoration à domicile du roulant. Merci, et vous-même tout. Ok, et samedi. Tout commentaire me fait sur verset, nous sommes là dans Malachi chapitre 2, verset 14, verset 15. Et Salomon, aller pour plus loin, il dit nous comme ça, madame nous c'est John Stento. Et nous-mêmes, et qu'à vivre dans soit dans un pays étranger ou bien la ville, et nous discutons d'eau. Mais pour nous qui vivons en Guyane, nous relayons une source. Source-là, c'est là-dedans où nous puisons de l'eau, matin, midi et soir. Eh bien, il en est de même pour nous. Lorsqu'il était bien, nous avons utilisé l'eau. Eh bien, ou te remets, eh bien, même Jean l'Éternel était crié et astre brillant, après qu'il vint pécher, il est venu de Satan, eh bien, ou te connais une bonne parole, ou te remets toute beauté, ou te remets tout, ou te remets de tout cœur. Eh bien, lorsque nous venons mardier, nous sommes venus dans l'âge grand monde, eh bien, c'est pour qu'aimer, aimer l'homme ou ça, aimer pour jusqu'à ce que, eh bien, bon, l'amour qui va passer, mais soit le prendre, ou bien soit qu'il va prendre, eh bien, madame là. Eh bien, conseil et Salomon Banon, eh bien, nous pas douer dans l'autre cité, nous pas douer dans l'autre cité, nous pas de puiser d'eau dans l'autre source et source nous puiser d'eau là-dedans et bien c'est madame non et bon Dieu et bien la bénit non et bien souter ça et la prépare une place pour nous et bien pour ministre pour nous vivre et bien en haut dans ciel là qu'il prépare pour nous. D'accord, merci. Allô, très bon, je m'en occupe, ça m'en occupe.
D'accord, nous comptons avec vous ou en ligne, nous sommes capables de parler. Oui, bon, alors je suis passé en Floride. Et comme moi-même, je dis madame, moi. Madame a déclaré, elle dit, elle va même. Et madame a déclaré tout, elle dit, elle dit, elle dit. Alors, dans le cas, qui sont passés, qui sont passés dans le cas, elle dit, alors, nous passons encore. Elle dit, moi, ça que, elle dit, elle dit, elle dit, elle va même. Sauf que nous avons déclaré dans le cas. D'accord, on va continuer. Nous avons essayé de répondre après. Nous avons continué. Pas de l'autre monde, allô? Allô? Et qui soit abdi dans Kassa, princesse? Donc, il y a un bagay que je suis capable de dire concernant. Verset que nous sot li yo. Donc nous connaît gagné moun, donc les à peine rapprocher yon moun ou bien garçon, surtout garçon yo. Donc c'est comme si m'ta di yo vle pran ciel là et puis yo vle mette la terre pour marcher sous li. Donc yo fè des belles promesses, mais après que moun sa li même li vinn gagné on en mel, donc li blié toutes belles promesses sa yo qu'il te kon fè yo. Donc yon nan bagay que nous capable yon nan conseil que nous capable bay à moun ki passe par étape ça, donc c'est faire en façon pour nous capable arranger nous. Ça qu'arrive ou te promettre 10 bagay que ou pas arriver faire 10 lan, mais au moins ça qui important yo faire yo, parce que là ou faire promesse là moun nan gagne en attente. C'est comme ka di moi même. Si vous te promettez moi chaque soir, vous allez chauffer de l'eau pour moi pour me baigner. Un peu auditeur, go auditeur, allô. Allô. Oui, allô. Oui, allô. Oui, allô. Allô, vous capable de parler? Ok, merci. Oui, oui, allô, bonsoir. Nous comptons encore cet après-midi pour le privilège que nous gagnons pour nous capable d'intervenir dans le programme. Famille en Eden. Avec ce couple ça que nous très apprécié. Merci. Avec nous pour faire toujours capable de toujours présenter l'esprit de prophétie que nous toujours retrouvons. Non? Alors, toute gloire est à Dieu que mon Dieu a béni nous et les fruits de vos entrailles. Mes frères, mon frère et ma soeur. Merci, merci. Oui, amen. En fait, ce texte, qu'est-ce que maintenant à la CIA, il n'a pas cette importance dans le cas où femme que les femmes de la jeunesse, il est sorti de Dieu, ou bien garçon, il est sorti de Dieu. Dans le temps passé, nous connaissons bien, choix où qu'on fait, c'est pas nous faire choix et puis nous dire. Bon Dieu m'amène tel ou bien bon Dieu m'amène tel. Longtemps, bon Dieu était comme parler. Et puis, jeune homme là orienté, jeune homme là côté la fiancée, jeune fille. Ou bien, jeune fille, mais qui est à connaître, senti que gagner un cotiseur, gagner quelqu'un, gagner un Adam. Qui a approché mon côté. Parce que sa fille, son compte perdu d'Eden, vient pour retrouver sa place. N'est-ce pas? Maintenant, malheureusement, il y a des choix qui fait, côté bon Dieu par là-dedans. Il y a des choix qui fait selon, comment dire, des intérêts, qui compte fait que nous mettons. Nous disons, bon, c'est mon Dieu qui choisit nous. Mais ça, avec le temps, pour aller, effectivement, est-ce que mon Dieu qui n'a choisi ça? Maintenant, nous connaissons la Bible dit que l'homme va séparer ça que mon Dieu unit. Alors, est-ce que c'est mon Dieu qui t'a mis ensemble, t'es uni, non? C'est très important que nous devons considérer. Gampin texte qui passage ou bien qui est dans la Bible, en fait, il y a écrit dans la Bible, mais nous ne sommes pas capables de faire application personnelle yo, dans la vie en pile dans nous. Toutes les fois que au départ, que c'est pas mon Dieu qui t'est arrivé mettre nous ensemble.
Lorsque le monde fait choix d'une jeune fille, c'est accepter le monsieur, jeune homme, à parler avec Otizeli. Il sentit que c'est son homme, c'est son compagnon de route pour le ciel. Maintenant, c'était comme ça avec qu'on fait. Mais aujourd'hui, il est complètement différent. C'est ça fait qu'il y a un pile de problèmes pour les couples différents. Surtout également de comportement marquable, comment le papa dans son pays, comme dans son pays. Non seulement Timounio vini bien pour le massa, l'église tout vient affecté par ça tout. L'église est composée de familles. Mais là, il arrive que il y a des gens qui ne sont pas mariés, qui la dedans, mais des gens qui viennent veuve qui la dedans, et des gens tout qui veulent divorcer tout, qui la dedans. Mais là, regardez la Bible, Dieu nous dit que sauf pour cas d'infidélité. Et nous connaissons, l'infidélité revient à un garçon qui allait jouer notre fille qui n'est pas madame lui. Ça, c'est infidélité. Et ceci, bon côté fille en tout, malgré mari là, les rejoindre l'autre garçon, ça, c'est infidélité. Bon, dans l'autre aspect dans la vie, hein. Dans la vie, c'est dans ça que seulement la Bible est située. Maintenant, lorsque mariage est fait, nous ensemble, bien Simon, avec le temps arrivé, il y a une divergence de caractère qui n'est pas bien au départ. Alors, c'est pour ça qu'il y a l'église, il y a ancien, il y a pasteur comme conseiller, et bien, ou bien parler de mariage, là, un monde qui est un personnage, donc a fait appel à yo pour capable arriver, venir chita avec nous. Pas besoin de prendre pas rien, venir rentrer à bon, nous mettre sa bonne veille. Moi, ça, des mouns à tatou, rentrer dans le foyer, à digas, frère l'église, frère l'église, mais ça peut y faire, ça va bon, mais comportement yo. Non, c'est acceptable. C'est nous même rien pour nous offrir à dehors. C'est pas de rien pour offrir à nous. Dans ce cas-là, le texte nous dit que nous n'avons pas répudié femme de sa jeunesse. Dans ce cas-là, est-ce que dans la question répudiation ça, est-ce que mon Dieu l'a dans vraiment? Si mon Dieu n'a pas rien, pas bien ça. Il n'y a pas de question de demandé. Il n'y a pas biblique ça, mais pas besoin de quoi. Parce que l'amour, c'est se voir dans l'autre comme dans un miroir. Un foyer, une famille qui a grandi, privé des enfants, déjà nous devons préparer nous pour le ciel. C'est à faire de l'empile attention. Nous ne pas mettre mon Dieu en premier dans la, comme chef foyer. Quand Dieu est là, pas de problème. Ou pas boire l'autre dame, ou bien quand passer, monsieur fait ça en plus, mais connaît ça, même à l'église, mais connaît ça, mais c'est au banc de la crainte de Dieu, de la présence de Dieu dans la vie, nous, en tant que garçon. Nous sommes malheureux, les filles, veulent vivre avec nous, même le nous là, et puis souvent, il y a des puits qui vont mettre ça, ou des autres, qui ont fait dans le foyer, et puis, ou bien, venir négligence, ou pas souffrir encore, ou problème posé. Et fille a lui-même des problèmes, lui-même après période, avant période, il y a des problèmes. Il y a tout quelque chose avec lui, sont des dégâts faits dans le foyer, pour écraser. Nous avons fait en tant que chrétiens, nous avons besoin pour ne pas situer nous, pour mettre mon Dieu au centre, dans le temps nous, pour ne pas arriver à faire autre chose. Enfin, nous finissons, on tient intervention, on fait une petite question à poser au monde. Il y a l'autre monde qui voulait participer avec nous. Oui, ma fille, il y a une question seulement, une petite question. D'accord. Ok, ça va. On va faire ma précision. Ouais, merci beaucoup. Pas de problème. Merci pour participation avec nous. Et nous par contre si il y a l'autre monde qui te voulait agir juste avant que nous baille point de vue nous sur ce sujet là, que c'est un sujet qui est assez intéressant, qui est très précis, qui écrit tout dans un contexte qui est tout à fait particulier. On nous rappelle nous que livre Malachia en soi, d'accord, merci. Livre Malachia en soi, c'est un livre qui écrit côté que bon Dieu a metté une série de points sur les i, a metté une série de péchés cachés peuple là dehors et a parlé surtout de cette affaire de tromperie, de cette affaire de duperie.
Voilà pourquoi, non seulement, bon Dieu, dans ce livre, nous joignons que les hommes a trompé bon Dieu à travers la dîme et les offrandes, mais nous joignons tout séance de tromperie, ça y est, entre les hommes et les femmes, en particulier entre moun qui mariés. Voilà pourquoi texte l'a dit que l'Éternel, bon Dieu, li témoin entre nous-mêmes et madame nous, surtout madame que nous t'ai épousé dans moment jeunesse nous yo, à laquelle nous infidèles, bien que li même la femme li kembe alliance li. Pas gen ken moun ki ka fait ça. Parce que moun ki fè sa yo pa gen bon sens. Donc c'est dans cadre infidélité ça que nous capable lire ce texte après-midi a pour nous capable lire et comprendre que bon Dieu lui-même li pas marcher avec infidélité sous quelle que soit forme liée a. Et l'infidélité sur alors dans relation personnelle nous avec bon Dieu et infidélité dans relation que nous gagnons avec l'autre monde soit en tant que employé, employeur, ou bien particulièrement infidélité dans relation nous avec la famille, avec mari, avec madame. Donc, nous tendez-nous avec un pile précision, nous tendez-nous avec un pile et attention pour nous capables finir par comprendre ensemble que gain en pile bagaille qui pour faire pour que deux mondes capables rester ensemble et deux mondes capables rester fidèles l'un envers l'autre. Donc, cette affaire de infidélité envers la femme de ta jeunesse. Dans le yage, moun ki parle, li dit le fait que fille a commencé fait petite et que elle commence gen pati nan koli ki déformé, tete la plongé. Gen moun ki parle de yo commencé rentrer en vieillesse et il y a un frère qui a dit tout à l'heure que madame li dit carrément que le pare mel encore et que le gon l'autre moun. Donc son série de quatre figures que nous capable rencontrer. Mais gen frère tout qui t'ai parlé de divorce. Mais nous rap dit nous que cette affaire de divorce la Bible pas bay en série de précisions, mais nous capable fini par comprendre que premièrement le chrétien n'est pas là pour divorcer. Le mariage c'est quelque chose qui se fait pour toute la vie. Toute vie nous depuis nous marier, bon Dieu a pas attendu nous pour nous capable vivre avec conjoint nous pendant toute la vie nous. Pendant toute la vie nous bon Dieu a pas prendre attendre ni pour nous capable vivre avec conjoint nous et nous capable voir aussi que bon Dieu qualifié d'adultère tout monde qui était marié qui laissait madame li pour qu'on cause quelconque autre que fragander li d'adultère et qui même rivé remarié. Donc dans deux couples là pour nous pas gain temps rivé à cette affaire de divorce, donc nous avons une série de actions pour nous prendre et nous capable retourner encore avec ce documentaire que nous sortit l'aigle. Gain la communication qui est important pour que deux couples pas arriver dans cas d'infidélité parce que depuis n'a parlé de infidélité nous capable ouais tout entre parenthèses insatisfaction. Donc c'est parce que yon moun qui est fidèle là c'est parce que il senti que li pas satisfait à un certain point et comme li pas satisfait soit la caille maril en un certain point ou bien soit la caille madame li en un certain point eh bien li aller ouais ailleurs et donc pour nous pas arriver là faut que nous batte pour nous capable yon satisfaire l'autre parce que nous chaque sorti nous famille quelconque avec besoin nous avec attente nous mais faut que nous capable parler pour yon capable connait attente l'autre afin que nous capable avancer ensemble et d'autant plus il y a pas songer qui l'aime t'entendre ça c'est ce grand orateur qui te dit que pour un mariage fonctionner bien eh bien gon sacrifice que nous mandé fait et me voulait partager avec nous pour mariage là fonctionner bien gon sacrifice pour nous capable faire c'est qui ça lié c'est traiter conjoint Jean que ou ta remen li traite ou. Ça veut dire que tout ce qu'on nous remè, si yo ta fèl pour ou t'ap senti ou bien, si yo ta fèl pour ou ap senti c'est là pour être pas jamais aller dehors, fèl pour conjoint. Et le fait que ou ap faire pour conjoint, une série de petites surprises, une série de petits gestes, une série de petits mots, une série de actions que nous capable prendre comme des bagailles qui banal, mais qui c'est une série d'attentes que fille a gagné ou bien que garçon a gagné et que il a pas attendre que ou combler lui. Donc à l'intérieur de la famille, il faut nous penser avec attention que nous capable faire tel que moi-même en tant que mari,
Donc premier objectif moi c'est pas que moi-même moi heureux, c'est pas que moi-même moi senti mal à l'aise, mais premier objectif moi c'est faire en sorte que madame moi senti heureuse, que madame moi senti li à l'aise bon côté. Et me rassurer nous frère avec ce mieux. Si objectif nous c'est faire moun qui en face nous senti que le bien, faire senti que li heureux heureuse à côté de nous. Si c'est objectif nous c'est faire plaisir sur toute la ligne de moun qui en face nous, laisse ça n'a besoin feedback là, n'a besoin retour d'ascenseur là. Moun en retour qu'on y a pral fait tout ça possible pour nous-mêmes pour nous capable satisfaire. Et pendant m'a satisfaire à 100% et lui même l'a satisfaire à 100%, c'est garder n'a après famille a grandi, famille a praler et que pas jamais gain des cas d'infidélité comme dit nous soutenir là ou bien nous pas arriver nous au côté que nous obligé divorcer ou bien nous pas arrivons au côté que madame nous a dit ou bien mari nous a dit nous que li gon l'autre fille et que li praler et que le pas aimer encore. Donc c'est mettre la satisfaction de l'autre d'abord dans notre vie. C'est alors moi me dit il faut que nous gagnions cette échelle dans la vie nous. Si nous t'avlez que non seulement nous gagnons bonne relation avec famille nous mais avec bonne relation avec bon Dieu, c'est d'abord mettre bon Dieu en premier. Dans tout ça n'a fait, dans toute bagaille en dans famille, dans toute décision que n'a prend yon envers l'autre, yon contre l'autre, c'est mettre d'abord bon Dieu en premier. Et une fois nous fin mettre bon Dieu en premier, c'est mettre l'autre en second. Donc c'est pas nous-mêmes qui devons venir en deuxième lieu après bon Dieu, c'est l'autre. Ça veut dire si c'est pour moi-même, c'est madame moi qui vini encore. Si c'est pour madame moi, c'est moi-même qui vini encore. C'est ça ça veut dire. Et si mettez madame moi en premier et que madame moi mettez en premier, donc vous capable comprendre qu'on y a là lorsque bon Dieu en l'est et que deuxièmement c'est madame moi pour madame moi bon Dieu en l'est et que deuxièmement c'est moi-même, là n'a vinn gagner ça que le capable reler un couple parfait, un couple uni. Donc assoya quel que soit problème qu'on capable gagner avec madame, quel que soit problème qu'on capable gagner avec mari, nous invitons à faire de madame, à faire de mari priorité dans la vie. Et à chaque fois madame senti que c'est lui-même qui premier monde dans la vie, qui c'est premier priorité dans la vie, c'est pas travail, c'est pas ancienne famille que vous avez gagné déjà, c'est pas un ami, c'est pas une relation qui priorité dans la vie, c'est madame ou bien c'est mari ou qui priorité dans la vie. Eh bien arrivé à ce point, madame en retour la fait de vous priorité dans la vie et c'est laisse à la famille après aller. Je pense que quel que soit ça nous capable dire de texte là, quel que soit ça que nous capable parler de l'infidélité dans le texte, c'est important pour nous capable kembe ça yo, pour nous pas arriver dans phase infidélité yo, pour nous pas arriver dans phase problème là. Malheureusement ou t'es sorti avec Chloé princesse, donc nous pensons que ou tendez réaction moun yo et que ou tendez commentaire que n'a fait et que ou même tout ou gagne pas ou pour dire dans ça, mais c'est une prochaine fois parce que ça nous pas gagné assez de temps pour ça. Voilà pourquoi nous allons continuer avec différentes rubriques que nous gagnons et dans le cadre du programme, nous, c'est que nous allons dire bon Dieu, parlez avec nous à travers les chants de notre recueil. À travers l'hymne l'orange, non seulement à travers la Bible, tel que ce texte que nous sommes considérés, bon Dieu, parlez avec nous, mais bon Dieu, parlez avec nous à travers les chants. Chant yo lorsque nous attendez yo, eh bien yo traduit yon paquet de bagaille dans la vie nous. C'est ça que fait dans moment ça, nous pas l'inviter nous pour nous capable chanter non seulement nous-mêmes à l'intérieur de studio ou même la caillou en famille, même gens que nous y est là, nous pas l'inviter pour chanter avec nous dans numéro 46. C'est un chant que famille moins remet en pile parce que chant ça a témoigné non seulement cette capacité, cette possibilité pour que nous en danger et que pour bon Dieu délivrer nous, mais aussi cette possibilité pour bon Dieu pas quitter nous, tomber dans difficulté. Donc voilà pourquoi nous avons invité nous pour nous capables de chanter ensemble. Nous avons invité nous pour capables de chanter ensemble avec moi, commencer à chercher livre chant ou pour capables de chanter avec moi dans numéro 46 et aussi en studio. Nous même tout, nous pour aller chanter avec vous dans moment ça, parce que nous étions quoi que bon Dieu capable de parler avec nous à travers les chants. Donc numéro 46,
c'est numéro ça que nous pral chanter pour période ça. Donc ou même qui gagne des commentaires que t'as voulu faire encore sous texte là ou bien des questions que t'as voulu poser, nous invite au faire dans moment ça en bas live là. En bas nous invite au faire dans moment ça en bas live là et en bas live là on capable faire li pour capable poser question yo et nous capable gagne monde qui capable réagir ensemble avec nous. On chante dans numéro 46 dans moment ça. Oui. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Et là, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance en me lavant de mon iniquité, en me lavant de mon iniquité. Le Dieu fort est ma paix, il est ma délivrance de mon esprit, il bannit la frayeur. Je veux donc en lui seul mettre ma confiance et donner gloire à mon libérateur. À la source des eaux, racontez les bienfaits, proclamez la promesse de l'Éternel qui guérit tous vos maux. Que nous qui savons jusqu'où va ton amour, tu fais pour tes enfants des choses magnifiques. Nous bénirons ton Seigneur chaque jour. Nous bénirons ton Seigneur chaque jour. Gloire au Dieu trois fois saint, que l'Église révère. Oui, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Gloire à toi, cher Sauveur, dans les cieux, sur la terre. Gloire à jamais, gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à jamais, gloire à toi, Jésus-Christ. Amen. Gloire à jamais, gloire à toi Jésus-Christ.
Merci Seigneur, nous voulons bénir non parce qu'on pas tenu compte de péché nous yo, pas tenu compte de iniquité nous yo, mon fait nous grâce ou même qui c'est Dieu de paix nous ou accorder nous la délivrance. C'est en effet ensemble de mots ça yo que nous voulons traduire à chaque fois que nous avons chanté cantique ça. Nous arrivons dans un moment côté que nous praler ensemble suivre message pour semaine là. Alors, l'esprit de prophétie pour ce maintenant, message pour cette semaine de prière, c'est ça que nous allons suivre. Et bien avant que nous apprenions pause, nous apprenions pause et après pause là, nous retournons pour troisième rubrique là, c'est que le couple répond au message divin par deux prières. Alors, faut nous dire avant pause là que la prière, c'est un bagage qui est super important. La prière, c'est un bagage qui est super intéressant à l'intérieur de la famille. Et famille, côté que maman, papa, petite a prié, toujours porter la victoire au nom de Dieu. C'est le moment de la pause. Après retour, après pause là, pour les prières. Merci. Et avant de s'en aller, j'espère que vous nous connaissez ce chant qu'on va chanter avant de prendre une pause. C'est le moment de la prière et nous invitons dans moment ça peu importe côté où il est pour capable prendre une aptitude révérencieuse parce que nous allons parler avec le créateur de l'univers, autrement dit le maître du sabbat, le maître de l'univers. À nous fermer les genoux pour nous capable prier avec princesse. Éternel notre Dieu, notre roi, notre rédempteur. Nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions pour la possibilité que vous avez nous. Pour nous capables là, dans le moment ça, Seigneur, dans le moment même que nous avons gloire, l'honneur que vous-même seul méritez. Nous demandons au Seigneur que vous ne gardez pas sur l'état péché. Nous demandons au Seigneur que vous ne gardez pas sur ça que nous avons fait qui n'est pas bon pendant la semaine. Mais de grâce, nous demandons que vous êtes capables d'accepter le moment ça pour nous, que vous êtes capables de prendre part là-dedans et que la bénédiction est capable de couvrir nous. Nous demandons au Seigneur de grâce participer dans le programme ça. Prends part là-dedans, Seigneur, parce que tout ça que nous avons pour nous faire, tout ça que nous avons pour nous dire, c'est pour faire plaisir. Bénis-nous, Seigneur, bénis famille nous et bénis toute famille qui suivre l'émission, ça, Seigneur. Nous demandons de grâce qu'on capable visiter au Seigneur et qu'on capable bailler ça que vous désirez. Prends soin nos Seigneurs, restez avec nos Seigneurs et bénis ce programme pour nous. Nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence pour les siècles des siècles. Amen. On va continuer avec la prière. On ferme les genoux. Seigneur, nous voulons bénir nous. Nous voulons exalter nous pour bonté ou pour grâce dans la vie. Nous. En particulier pour ces deux institutions que vous même vous avez créées et qui caractérisent bonheur petit tout sur la terre. D'une part, Seigneur, ou instituer le mariage, ou former la famille,
qui pour permettre à ce que nous gagnions un épanouissement social côté que pour émotion nous capable stable puisque nous a vivre dans une atmosphère côté que yon reme l'autre côté que yon a veiller sur l'autre aussi Seigneur ou créer ce sanctuaire à travers le temps côté que à chaque fin de semaine à chaque Seigneur notre Père et notre Dieu septième jour de la semaine ou inviter nous pour nous capables communier avec vous ou placer devant nous ce rendez-vous d'amour que nous gagnons entre bon Dieu qui c'est créateur et nous-mêmes qui c'est peuple roi. Alors que Seigneur nous a célébré ces deux fidèles institutions, ces deux institutions qui ont été créées pour l'épanouissement émotionnel, l'épanouissement social et l'épanouissement spirituel de tes enfants, nous vous demandons de grâce. Qu'on capable rester au milieu de nous, qu'on capable demeurer dans mi temps nous Seigneur, qu'on capable demeurer non seulement dans la vie famille nous qui ici a sous cette panel, mais aussi dans la vie différente téléspectateurs, téléspectatrices partout côté que y a suivre nous, qu'on capable intervenir Seigneur notre Père et notre Dieu dans famille et de façon spéciale, nous voulons prier pour une famille dans moment ça, soit qui a passé un moment difficile, pour une famille dans moment ça, soit qui a passé dans des cribles de Satan, dans le creuset de Satan, n'a demandé de grâce ou même qui t'ai institué la famille ou même qui t'ai institué le sabbat, qu'on capable descendre et accorde petit tout la délivrance afin que cette famille capable rester soudée et capable présent lorsque Seigneur notre Père et notre Dieu va faire apparition. Sanctifiez-nous du haut des cieux. Bénis-nous et bénis ce programme. Bénis cette chaîne, Seigneur notre Père et notre Dieu, la MODH. Reste au milieu de nous. Au nom et par les mérites de Jésus, nous t'en prions. Lui qui vit et qui règne de siècle en siècle, d'éternité en éternité. Amen. Ah oui, et nous allons continuer avec le programme. Non? Et là, nous arrivons dans... Bien avant, nous continuer, nous discontinuer. Et bienvenue, famille Jean-Claude Hippolyte à MODH. Merci. Avant, nous t'es marié, il y a des habitudes à l'ouverture du sabbat, nous t'es gagné. Nous t'en remets pendant que ou en famille là. Ou capable expliquer nous habitude ou t'es gagné avant ou t'es marié et actuellement pendant la consommation du mariage habitude nous gagné nous vinn gagné à l'ouverture du sabbat. M'a commencé ou bien m'a commencé chérie? OK, bon commencer. OK, princesse. Donc avant le mariage. OK. Étant donné que moi-même moi t'étais en province. Donc et pour le lui-même il était Port-au-Prince. Il y en a pas quelque nous te qu'on fait. Donc c'est par téléphone. Nous te qu'on communiquer quelques heures avant ouverture sabbat. Donc pour nous parler de comment semaine n'entayé, donc on connaissait dans période que nous te remet. Donc qui ça que nous te dit qui va te faire l'autre plaisir, donc pour demander petit pardon, pour nous réconcilier après ça, pour nous capable préparer nous pour aller ouvrir sabbat. Surtout nous te qu'on ouvrir sabbat dans téléphone. Donc c'est à distance, donc et depuis elle est après arriver, il commence à écrire un petit message pour demander qui ça m'a fait dans moment ça. Donc c'est là pour mal préparer pour me capable mettre disponible pour aller ouvrir sabbat et comme ça tout nous faire révision semaine là pour nous connaître qui ça que l'utilité dit et qui ça moi-même moi te dit qui pas de faire plaisir. Donc pour nous capable faire une petite réconciliation. En fait, nous passé princesse l'a dit en gros une série de bagailles que nous t'ai gagné mais avant le mariage on non bagaille que nous t'ai gagné surtout c'est que le sabbat après ouverture du sabbat parler mais c'était toujours un grand l'heure pour mon dormir parce que après toute une semaine côté que nous fatigués nous dans différentes activités tantôt c'était activité scolaire ensuite c'est activité professionnelle. Donc c'était grand moment côté que pour nous faire un grand sommeil pour nous oublier toute bagaille sachant que demain si Dieu veut nous pas lever et pour nous aller dans notre travail mais nous pas lever pour nous aller à l'église pour nous attendre parole bon Dieu. Donc c'était ça qui était habitude nous pendant période là et pendant période nous venir même donc c'était grand moment côté que pour nous parler sans arrêter parce que nous connaît que pas grand rien qu'à couper nous pas grand rien que n'a courir fait. Donc c'était habitude ça que nous t'ai gagné pendant
pendant période que nous pote corémé et pendant période que nous vinn remé pendant le sabbat. C'est bien ça, donc c'est de bons exemples n'a quitté pour petite n'a quitté pour fleur ça nous qui a venu là et nous sommes certains bon Dieu non seulement la béni couple là et la béni toute famille là. Amen. Et ceci c'est pas seulement sous la terre mais là haut dans le ciel. Donc MEDH bien content que ou répondre question ça yo et que toute surprise qui va venir après. D'accord. Sauf que pas fait. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu
Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Dans un moment qui est important, nous connaissons depuis nous arrivons dans le ça, c'est le moment que nous pouvons saluer le Saint-Sabbat. Il y a un moment qui est important pour nous et qui est important tout pour bon Dieu parce que nous connaissons depuis nous, c'est une convocation. Donc, c'est une convocation que nous n'avons pas raté. Donc, nous demandons à tous les internautes qui suivent nous pour être capables de prendre une position pour nous capables saluer le Saint-Sabbat parce que nous connaissons un moment qui béni, un moment spécial. Donc, il faut nous faire une préparation pour nous capables à jouir bénédiction ça que nous connaissons, bon Dieu, préparer dans le jour ça pour nous. Mais pour nous commencer, nous demandons que nous soyons capables de rejoindre nous dans le numéro 175 qui est l'astre à l'horizon des cent. L'astre à l'horizon descend, sur les monts l'ombre s'étend. Veillons pendant que la nuit au ciel la lune s'ennuie, ses lampes d'or. Gloire, gloire à l'Éternel. Sur la terre et dans le ciel.
invite ou pour capable ouvrir les vous bibou et ou pral lire avec nous dans Exode chapitre 31 le verset 13. Exode chapitre 31 le verset 13 que nous pral lire ensemble dans moment ça pour ouverture du sabbat. Exode 31 verset 16 qui dit: Paul aux enfants d'Israël et dis-leur: vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. N'a pas compris? Paul aux enfants d'Israël et dis-leur: vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est avec texte que nous voulons après-midi à passer ouverture de sabbat, qui c'est un ordre formel que le Seigneur t'a passé avec Moïse pour capable rappeler encore une fois avec peuple Israël là le sabbat. Et cet ordre est accompagné par un objectif que le sabbat gagnait pour nous-mêmes chrétiens, que bon Dieu doté le sabbat, c'est que c'est grâce avec le sabbat que nous avons rappelé nous que l'Éternel, notre Dieu, c'est lui qui nous sanctifie. Parce que faut nous pas oublier, depuis la Genèse, bon Dieu t'a demandé à ce que nous sommes capables de sanctifier le jour du sabbat. Et donc, par la sanctification du sabbat, et nous autres, en tant que chrétiens qui accéder avec ce jour qui est le jour du sabbat, nous sommes sanctifiés par l'Éternel. Donc nous pour aller dans un moment ça prier pour nous capable saluer le retour du Saint Sabbat. Et juste avant, nous pour aller fredonner un couplet dans numéro 169. Un couplet dans numéro 169, nous pour aller fredonner pour nous capable prier pour saluer le retour du sabbat. N'a chanté premier couplet là: joyeusement nous saluons le saint jour du Seigneur. Seigneur, nous connaissons vous-même qui saint, c'est vous-même qui méritez adoration, c'est vous-même qui méritez l'orange, c'est vous-même qui méritez exaltation. C'est ça fait depuis nous arriver dans moment ça, Seigneur. Nous toujours fait effort malgré ta péché nous pour nous venir à pied pour nous capable venir baou l'orange, l'honneur, gloire que vous-même seul méritez. Seigneur, dans moment ça, nous venons répondre à la convocation que vous faites nous, que vous demandez nous depuis laisse arriver pour nous capables de venir baou adoration que vous même seul méritez. De grâce n'a pas Seigneur que vous pas garder sous état péché nous. De grâce n'a pas Seigneur que vous pas garder sous iniquité nous, sous transgression nous Seigneur. De grâce n'a pas Seigneur que vous capable plutôt remplir nous avec puissance Saint-Esprit en Seigneur pour nous capable passer moment ça Seigneur en parfaite harmonie ensemble avec vous. Pour nous capables de passer moment ça Seigneur en parfaite relation ensemble avec vous Seigneur, parce que nous connaissons où là Seigneur, où là bon côté nous Seigneur, où là dans mitan nous Seigneur, où là dans famille nous Seigneur, parce que nous connaissons où pas là bon côté nous Seigneur, en pile malheur, en pile dégât t'es capable de faire Seigneur, mais où t'es là pour nous Seigneur. De grâce Seigneur, n'a demandé qu'on capable accepter moment ça pour nous. De grâce Seigneur, nous demandons qu'on capable pour un plaisir là-dedans au Seigneur, parce que nous connaissons tout ça que nous avons fait, tout ça que nous avons dit, nous voulons faire et dire pour nous capable faire plaisir. Seigneur, nous levons en main au Seigneur toute famille qui a observé nous dans moment ça.
Toute famille qui déjà prend position pour ouvrir sabbat. Toute famille, Seigneur, qui pourquoi prend position parce que quelqu'un qui a un bagage qui empêche de grâce t'a demandé au Seigneur qu'on capable faire des interventions dans la vie au Seigneur. Tu capable transformer la vie. De grâce Seigneur, n'a demandé qu'on capable prendre part dans culte d'adoration que nous gagne pour nous offrir au demain si Dieu veut. Nous connais Seigneur, adoration c'est pour et pour même seul. Nous connais Seigneur, adoration pas pour l'autre. Que ou même Seigneur parce que nous connaissons avant ou pas de bon Dieu après au Seigneur pas jamais gagné parce que son bon Dieu cap régner éternellement de grâce Seigneur n'a pas de quoi capable permettre ça que sabbat ça Seigneur les capable un sabbat spécial non seulement pour famille pas nous Seigneur mais pour toute famille Seigneur cap suivre nous dans moment ça de grâce Seigneur n'a pas de quoi capable toucher nous Seigneur avec mes puissants toi de grâce Seigneur n'a pas de quoi capable toucher nous avec mes bénis ou de grâce Seigneur n'a pas de quoi Seigneur qu'on capable transformer la vie nous Seigneur permettre que nous capable rapprocher de nous même Seigneur non seulement pour sabbat ça Seigneur et pour tout reste sabbat qui était parce que nous connais sabbat Seigneur son bagage qui pas jamais faner c'est un bagage qui pas jamais effacer parce qu'il est là éternellement oui Seigneur nous voulons bénir non, nous voulons exalter, non, nous voulons glorifier, non, parce que bon, nous possibilités, Seigneur, pour nous capables de saluer le Saint Sabbat dans le moment ça. De grâce, nous demandons au Seigneur qu'on capable permettre que nous capables de rester en adoration. De grâce, Seigneur, nous demandons qu'on capable permettre que nous restions en parfaite harmonie ensemble avec le Seigneur, qu'on soit nous capables de jouir bénédiction sans fin ça que vous déjà mettez dans le jour Sabbat ça pour nous, Seigneur. Bénis-nous encore une fois, Seigneur. Bénis tout le monde qui dans tout staff Seigneur qui réunit dans le moment ça Seigneur n'a demandé qu'on capable passer qu'on capable toucher qu'on capable transformer au Seigneur permettre qu'on capable faire travail à Seigneur pour gloire pour l'honneur Seigneur restez bon côté nous encore une fois n'a demandé qu'on capable bénir famille pour nous Seigneur accompagner nous Seigneur prend soin nous Seigneur restez au milieu de nous Seigneur pour pas prier parce que nous bonnons nous dignes mais nous prions au nom de Jésus à lui seul soit la gloire l'honneur la magnificence Amen. Et nous voulons dire un bon sabbat avec tout le monde qui attend de nous. Et d'abord, nous disons bon sabbat entre nous. Bon sabbat, ma petite princesse. Bon sabbat, Chloé. Bon sabbat, Arthur. Ça va? Et nous voulons dire un bon sabbat avec tout le monde qui attend de nous dans le studio. Un bon sabbat avec Pasteur Gary d'Haïti. Bon sabbat avec Sœur Josette Guerrier. Bon sabbat avec Mon Marie Rose, bon sabbat avec Claudine Brice, bon sabbat avec Nancy Pierrot, bon sabbat avec William Millien, bon sabbat avec Saint-Germain Rose Pierre, avec Antoine Roseline, Marie Michel, bon sabbat avec Sœur Marie Rose, bon sabbat avec Johnson et Ernest Thomas, bon sabbat avec tout le monde qui en bas life là et nous baille possibilité pour capable ou même tout dit bon sabbat avec proche avec famille avec amis et dans moment ça n'a demandé pour capable reler son numéro qui affiché en bas écran pour capable saluer famille ou saluer amis ou et nous continuer pour nous dire bon sabbat avec Antonine Roseline bon sabbat avec tout le monde qui est avec nous bon sabbat avec Eldana Bousquet, bon sabbat avec Loretta Paul, bon sabbat avec Claudine Brice, bon sabbat avec tout le monde qui est là avec nous, qui a participé, à ou même particulièrement qui relait participer. Nous voulons dire bon sabbat dans le moment ça. Et c'est tout pour capable relé et dire bon sabbat avec famille, avec amis qui sont par tous côtés. Nous voulons dire, nous voulons continuer pour nous dire bon sabbat avec Sander. Bon sabbat à tous. Sander Esterlin, bon sabbat avec Jessie Sylvain, bon sabbat avec Cléta Gavé, bon sabbat avec Rosemani Michel, bon sabbat avec Suzette. Et nous m'invitons à capable reler dans moment ça. Arthur, qu'est-ce que vous avez dit? Bon sabbat à tous. D'accord, bon sabbat avec tout le monde et relé ou même pour capable saluer moun pour yo parce que nous pas jamais ka fin dit tout le monde. Bon sabbat avec Astrid Saint-Hilier, bon sabbat avec Fedji, bon sabbat avec Tama Duvois, bon sabbat avec Marie Jules Meis, bon sabbat avec Adeline Jules, bon sabbat avec Ketia Philistin, Louis Jacques. Alors Louis Charles, bon sabbat avec Exantus.
Bon sabbat avec Marie-Suzette Antoine et n'attend nous dans moment ça pour capable reler pour dire mon Paul bon sabbat. Bon sabbat avec Wisner Pierre. Bon sabbat avec Merci de joie. Bon sabbat à tous Marie-Michel Duver. Bon sabbat avec Résilia Prévalus Résou Love. Bon sabbat avec Pride pour la délivrance. Bon sabbat avec Nel Borjon. Bon sabbat avec Richard. Bon sabbat avec Pasteur famille Pasteur Gary d'Haïti. Bon sabbat avec tout le monde. N'attend nous numéro yo affiché. C'est tout pour capable dire bon sabbat. Bon sabbat avec Claudine Brice. Bon sabbat avec Berlin Pierre. Bon sabbat avec Étienne Katiana. Bon sabbat avec Noël Mioline, avec Sonia Jean-Baptiste, avec Yoli Célestin. Bon sabbat. Bon sabbat Margaret Victory. Bon sabbat Yoline Célestin. Bon sabbat Josette Guerrier. Bon sabbat Vladimir Deli. Bon sabbat Sonia Jean-Baptiste. Bon sabbat Marie Julien. Bon sabbat Françoise Lafaye. Bon sabbat Claudine Brice. Bon sabbat, Roselyne Augustin. Et c'est moment pauvre pour aller pour dire mon pauvre. Bon sabbat, Audelin Dominique, bon sabbat, Jocelyn Etienne, bon sabbat. Et nous attendons pour capable aller parce que sabbat, c'est moment de fête, c'est moment de famille. Et en famille, comme en Éden, nous avons fait ouverture du sabbat dans MEODH après-midi. Et qui est-ce que tu as dit bon sabbat, Arthur? Tu veux? Bon sabbat avec grand-ma Marie-Claudette Saint-Élise. Bon sabbat avec Julie Saint-Élise. Bon sabbat avec Walnis Octelus, James Hippolyte, Karine Robert Jo. Et bon sabbat avec Marie Vita Jessica Hippolyte. Bon sabbat avec bon sabbat Monsieur Scotty James Hippolyte. OK. Donc n'attend nous pour reler pour capable dire moun pour bon sabbat. Bon sabbat avec Astrid Saint-Hilaire, avec Mala Christon Saint-Ville, Alteron Devalon. Bon sabbat avec Rosemary Michel. N'attend nous c'est temps pour capable reler pour dire moun pour bon sabbat pour faire que moun pour content Suzette Saint-Fleur Luxama. Bon sabbat. Oui, allô? Allô? Il paraît nous pas bien entendre, nous pas passer. Bon sabbat avec Carl Duperal, bon sabbat avec Nadège Samar, Altime Yolette, bon sabbat. Jocelyne Metellus, bon sabbat. Famara Lombard, bon sabbat. Léa Noël, bon sabbat. Allô? Oui, allô? Oui, allô, ma soeur. Vous voulez saluer quelques mounes? Oui, ma souhaite bon sabbat avec tout le monde de l'église adventiste. Salem, à Isolange. Bon sabbat à mon Bekel, qui est dans Clinton. Bon sabbat à New Eden. Bon sabbat à l'église adventiste Bethany. Et spécialement, bon sabbat à tout le monde de l'église Belle Étoile qui a Bisoto en Haïti. Et m'a dit bon sabbat avec spécialement la famille Philogène, la famille Ducatel et la famille Morpo, la famille Agenou. Je vous dis à la béni, nous bye, bon sabbat. D'accord, merci. Nous avons continué, nous avons salué l'église. Nous dit bon sabbat avec l'église Adventiste Morija en Haïti. Bon sabbat avec l'église Adventiste Jérusalem. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Charmina, ma tante nous depuis Chili. D'accord, ma soeur. Bon sabbat. Bon sabbat à tout le monde qui est Chili. Nous souhaitons
Nous souhaitons un bon sabbat avec famille, hein, avec Pasteur Gary d'Haïti, chaque grand monde qui compose le staff MODH. Là, nous souhaitons un bon sabbat. Et bon sabbat avec maman, qui a écouté Haïti spécialement. Et grand frère, grand soeur, et avec membre église au Reb de Talcana, Chili, spécialement la famille Dormelus Pierre et la famille Joseph Louis. Bon sabbat, que bon Dieu est capable de bénir nous. D'accord, merci. D'accord, bon sabbat. Et nous voulons continuer, non seulement pour merci. Dire bon sabbat avec tout membre de l'église adventiste Moïja, mais nous dire bon sabbat tout avec toute administration. Allô? Bon sabbat, comment nous y est? Très bien, grâce à Dieu. Bon sabbat, ma soeur. Vous m'êtes parlé. Nous souhaitons bon sabbat à tout Haïti. Pour nous souhaitons bon sabbat la famille non Canada, nous souhaitons bon sabbat à tout le monde. Bye. D'accord, bon sabbat. Bon sabbat, mon frère. Alors, nous te voulons souhaiter un bon sabbat avec toute l'administration Collège Adventiste Moïja. Nous voulons souhaiter un bon sabbat. Allô, allô? Allô? Oui, allô, ma soeur, bon sabbat. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je voulais dire bon sabbat à la famille Hippolyte. D'accord, merci. Bon sabbat ou même tout? Bon sabbat. Bon sabbat avec Pasteur Gary d'Haïti. Bon sabbat à ma famille, à ma fille Lucelli. Bon sabbat à la famille Iran. Bon sabbat à la famille Nicolas. À ma tante chérie Isna des Hommes. Et bon sabbat à tout le monde qui attendait, tout Adventiste qui attendait la plateforme MODH. Oui, merci. Bon sabbat. Merci, merci. Bon sabbat. Allô? Allô? Allô, bonsoir. 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 Non, pas moi, c'est Sœur Maréis, Sœur Francia Maréis. Bon sabbat, Sœur Francia Maréis. Pour me souhaiter nous bon sabbat. Merci. Mwenlem, pour me souhaiter nous bon sabbat. Merci. Moi reme famille en pile, me compte à soi nous te la ben nous. D'accord. Moi salue parce que d'Haïti et la grande famille MODH, nous souhaitons nous tout bon sabbat dans les Seigneur. Père bon Dieu, père de victoire, nous souhaitons nous tout bon sabbat. M'a salue ma reine moi sœur Hollanda et Fiel moi sœur Onid, mamie Joméis. Et dans paquet mon en bas live l'homme t'a souhaité bon sabbat Senel Bajo et c'est Claudine Brune, c'est Natou Tacha, bon souhaite nous tout pas faire jalousie te nous remet nous en pile fait que nous content parce que jour ça c'est jour bon Dieu bénis et bénis net à la gloire de Dieu amen, amen. Bon sabbat dans les Seigneur amen. Amen bon sabbat bon sabbat ou même tout. N'attendons l'autre monde yo relé pour souhaiter bon sabbat à famille amis surtout tout le monde qui là. Allô allô. Allô bonsoir. Bonsoir allô, mon bonsoir. Frère. Bonsoir. Allô bonsoir. Bon sabbat avec tout le monde en Haïti. Où mettre parler, où mettre parler, où en ligne, où mettre parler. Ah, bon sabbat avec Eiffel de Fresno Ligue d'Alvantes Eiffel de Fresno. D'accord. Bon sabbat avec la famille Dormeville. Bon sabbat. Ou met parler mon frère, même si vous avez parlé, c'est décalage dans le fuseau réel, dans l'affaire internet, ou met parler ou en ligne. Allô? Oui, oui, nous vous met parler, même si vous êtes sous écran longtemps, dès mon a parlé, mais c'est à cause de décalage là, vous mettez baisser le volume là et puis pour capable continuer. Allô? Ok. Bonsoir, bon sabbat. Bonsoir, mon frère, bon sabbat. Oui, moi souhaite famille Hippolyte, bon sabbat. Merci. Et vous même tout, bon sabbat. Ok, merci. Moi c'est Josué Lacrète, membre l'église adventiste Canapé Vert. Et moi souhaite bon sabbat à tout membre l'église adventiste Canapé Vert. Avec les corps enseignants, pasteurs et la fac,
et jeunesse là, soujade. Et moi, je dis bon sabbat avec tout le monde en général. Bon sabbat dans le Seigneur. D'accord, bon sabbat frère. Bon sabbat avec tout le monde, bon sabbat avec Récilia. Récilia Prévalus, bon sabbat Aristide Saint-Hélier, Claudine Bruce, tout le monde qui est en bas live là, nous voulons dire bon sabbat. Angelaine au repas. Allô, allô? 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 Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, ma soeur. Bon sabbat. Bon sabbat à toute la famille adventiste en Haïti. Amen. J'écoute Canada. C'est Tania. D'accord. Où mettre parler, où mettre parler, où en ligne? Bon sabbat à Tonton Tolbert. D'accord. Ok. À tout le monde. D'accord. Moi, 17 ans. D'accord. Bon sabbat à notre jeune frère de 7 ans. Vous souhaitez que bon Dieu bénisse et permette qu'on soit capable de continuer à grandir. Alors, nous voulons dire bon sabbat avec toute commune. D'accord. Nous voulons profiter pour nous dire bon sabbat avec toute communauté adventiste là, adventiste de par le monde, partout côtoyé. Nous voulons dire bon sabbat et particulièrement tout le monde qui toujours s'est super branché, MEODH. Nous voulons dire bon sabbat. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, la famille Hippolyte. Maman, c'est Bertha, mon désir Hippolyte. Moi, bien content de ce que mon famille Hippolyte. Le chef se dit bon sabbat à la famille Hippolyte. Moi, je dis bon sabbat à tout. Ah oui. Il est content. D'accord. Moi, je suis content parce que la famille Hippolyte, mais c'est Hippolyte tout. Oui, nous comptons bien content. Nous content de participer à notre programme. Ça. Je dis bon sabbat à la soeur Jean-Michel. Bon sabbat avec Frère avec Sœur Mio, qui est mon désir. Moi content pour famille ça. Nous avons deux petites, nous avons deux petites tout. Nous avons petit garçon, deux petits petit garçon tout, mais pas nous adultes. Moi content de participer à notre programme. D'accord, nous bien contents. Nous avons pile bagaille qui fait nous sembler. Bon sabbat, ma soeur. Oui. D'accord. Bon sabbat, que bon Dieu continue à bénir. D'accord, merci au même tour. Bon sabbat, ma soeur. Bon sabbat, soeur Hippolyte. Hippolyte, pareil, moi. Merci. D'accord. Merci. Ok, nous allons continuer. Allô? 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 Oui, allô, mon frère. Allô, bon. Allô, bon sabbat. Bon sabbat. Bon, c'est frère France, je m'appelle Boston. D'accord, mon frère. Moi, salue famille Hippolyte. Nous saluons tout. Nous m'avons souhaité bon sabbat avec la famille et Christoua. Nous souhaitons bon sabbat à MEODH, pasteur Gary d'Haïti. Nous souhaitons bon sabbat à toute la famille de l'humanité qui a ouvert sabbat avec tous les anges. Nous saluons tout ça, nous parlons, ça visible ou invisible. Nous saluons tout au nom de Jésus. D'accord, amen. Bon sabbat, frère. Moi. Nous allons continuer, nous allons prendre appel. Allô, allô, bon sabbat. Allô? Allô, bon sabbat. Bon sabbat, bon sabbat, ma soeur. Moi, c'est Sœur Jeanne et Saint-Fleur, à côté de Florida. Moi, je voulais dire bon sabbat à la famille Hippolyte. Nous merci, bien. Bon sabbat aussi. Et mardi, au bon sabbat. Toute famille support, famille support et MEODH. Et dit bon sabbat à tout le monde, l'église Eden de Bon Repos. Et m'a dit bon sabbat à tout le monde, l'église Eden de Bon Repos. M'a dit comme ça pour encourager, un jour aujourd'hui, à bon Dieu, gain pour venir, pour délivrer nous.
pour dire arrêtez, sachez que je suis Dieu, pour nous tous capables de dire bon sabbat ensemble. D'accord. Nous pas besoin d'inquiéter. Nous m'a dit bon sabbat à petit moi yo qui Haïti qui a couru mais bon Dieu et a regardé quand même. Bon sabbat à nous tous. Merci, merci que bon Dieu bénisse nous davantage dans radio à tout staff là et spécialement Richardson et madame Nim m'attendez on pas eux famille Richardson Jean nous dit bon sabbat famille Bertrand Senatus nous dit Sineus Bertrand nous dit le bon sabbat et c'est dernier monde nous t'apprend autre que nous fin saluer famille Richardson Jean famille Sineus Bertrand et famille pasteur Gary d'Haïti et adventiste de par le monde nous voulait dire bon sabbat et l'on dit bon sabbat avec mon Eden de bon repos nous voulait dire bon sabbat spécial avec ma tante Jasmine Joseph que nous dit bon sabbat et toutes ses proches et toutes ses amis et c'est un plaisir pour nous avec nous pour nous capable participer dans moment de fraternisation ça côté que nous a dit bon sabbat avec un l'autre c'était malheureusement dernier monde que nous t'apprend et là qu'on y nous passer avec un nouveau rubrique c'est quatrième rubrique nous partage et appréciation que nous arrivons là-dedans dans moment ça bon sabbat avec tout adventiste de par le monde entier et surtout bon sabbat avec les super branchés de MEODH merci. Voilà, voilà. Donc nous disons bonsoir à la famille Hippolyte. Famille Hippolyte, combien d'années de mariage avez-vous? Ça fait nous déjà 8 ans de mariage, 8 ans de vie commune. Voilà, 8 ans de mariage, c'est un nombre pair. Donc c'est le mari qui va faire les gestes. Si c'était un nombre impair, ce serait à la femme de faire les gestes. Maintenant, monsieur, le premier geste que vous allez faire est le suivant. En vous inspirant d'une ou de deux lettres du prénom de votre conjoint, composez une courte déclaration d'amour que vous n'avez jamais faite auparavant. Réfléchissez et faites votre déclaration. Nous allons vous revenir après. Ah oui, nous sommes là. Alors, une courte déclaration d'amour avec deux ou une lettre du prénom de votre conjoint. Alors, je veux te dire en ce jour, ma tendre princesse adorée, que je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime au point à rendre jaloux les anges déchus de voir que des hommes peuvent s'aimer si fort. Et comme les lettres de ton nom, je prends E pour te dire que extraordinaire tu rends ma vie. Et je prends R et pour te dire que rien je ne serais si tu n'étais pas là et que je t'aime de tout mon cœur. Waouh. Donc c'est comme si c'était une préparation. Et on va continuer. Ce n'est pas encore la fin. Maintenant, en vous tenant la main, alors tenez-vous la main, en vous tenant la main, monsieur va répéter après moi. Comme je tiens ta main ce soir,
comme je tiens ta main ce soir. Par devant l'auditoire. Par devant l'auditoire. De MEODH. De MEODH. Je promets de la tenir. Je promets de la tenir. Et de t'accompagner. Et de t'accompagner. Jusque par devant le trône céleste. Jusque par devant le trône céleste. Sur la mer de verre. Sur la mer de verre. Pour chanter ensemble. Chanter ensemble. Le cantique de Moïse et de l'agneau. Le cantique de Moïse et de l'agneau. À présent, dernier geste, donnez-lui un saint baiser sabbatique. Alors, pour les gens qui ont regardé nous là, nous excusez-nous que nous n'avons pas fait baiser, nous habitués à faire nos sabbats. Mais en toute intimité, nous voulons dire que mon sabbat, mon temps. Voilà. Voilà. Bon, c'est assez, c'est assez, c'est assez, c'est assez. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'était bien le geste surprise. Et à présent, nous allons passer à une nouvelle rubrique. Merci au couple Hippolyte. Merci, merci. Alors, nous, malgré nous prenons au dépourvu pour une série de bagailles dans la présentation que nous ne connaissons pas, nous avons des devoirs pour nous faire. Mais nous sommes contents pour nous capables ensemble pour nous là. Rappelez-nous bien que le sabbat et la famille, c'est une seule et même bagaille. Et c'est deux graines institutions que la Bible déclarait que bon Dieu bénit. Et c'est deux institutions qui créaient ou bien qui existaient depuis la création. Et ces deux institutions, ça y est, qui a toujours demeuré. Et la Bible dit, bien, dans le ciel, à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant l'Éternel, lui-même l'ayant déclaré. Donc c'est un plaisir pour nous être capables avec vous sous panel ça, pour nous capables partager avec vous ces paroles, pour nous capables réfléchir ensemble avec vous dans le cadre ouverture Saint-Sabbat, pour nous dire en famille, comme en Éden, le sabbat c'est l'affaire de la famille, le sabbat c'est l'affaire de MOEDH. Que le Seigneur vous bénisse. Bon sabbat à tous. Bon sabbat avec tout le monde qui est dans l'équipe là. Bon sabbat avec Pasteur Gary d'Haïti. Bon sabbat avec Bertrand Sineus qui t'a invité nous. Bon sabbat avec Frère Tichler qui est là avec nous. Bon sabbat avec Keyboardis nous. Avec tout le monde que nous souhaitons que bon Dieu bénisse nous et que bon Dieu continue à accompagner nous. Et bon sabbat avec vous-même qui a suivi nous, qui a partagé et séance ça, qui a soit commenté en bas live là ou bien qui invitons l'autre monde pour suivre. Bon sabbat avec la communauté adventiste de par le monde entier. Que bon Dieu capable permettre que nous jouions vraiment les bénédictions réservées pendant les jours, pendant le jour ou bien pendant les heures du sabbat. Bon sabbat à tous, c'était un plaisir. Seulement une parole et je serai guéri. Souffle sur moi ta main d'amour pour que vienne en moi l'esprit et je serai guéri. Pose sur moi ta main d'amour, car elle est mon seul secours, et je serai guéri. Mets dans tes peines tous mes péchés, dans ton cœur ma vie tracée, et je serai guéri. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je te vois, pour que renaisse moi le germe de la foi. Ouvre mon cœur au feu de ton amour, pour qu'arrive le jour où j'aimerai toujours.
moi l'esprit et je serai guéri. Pose sur moi ta main d'amour, car elle est mon seul secours et je serai guéri. Mais dans tes peines, tous mes péchés, dans ton cœur ma vie tracée, et je serai guéri. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je te vois, pour que renaisse en moi le germe de la foi. Ouvre mon cœur au feu de ton moi, le germe de la foi. Ouvre mon cœur, Seigneur, que je te vois, pour qu'arrive le jour où j'aimerai toujours, toujours. Avoir mangé du riz, les conséquences, disons mieux, les résultats sont visibles et évidents, n'est-ce pas? Rose-Andrée Roquelaure-Médéla n'a pas du tout été Roquelaure vis-à-vis du riz. Elle en a touché, en a goûté, elle en a mangé, savouré même. Elle en est peut-être rassasiée. Il devient normal que le fruit de ces actions-là soit visible au grand jour. Se salier même. Les jours et les mois se sont écoulés, elle est donc plus proche du jour où elle doit vivre l'effet de la douleur de la sentence édénique contre la femme. Pas de niaiment tinant ça. Pourtant, elle, aussi bien que son mari, les membres de sa famille et ses amis, attendent ce jour J, ce moment spécial avec joie. Ce nomal mâchait. Vous tous, membres de la grande famille MIODH, dont ils font partie également, ils viennent vous inviter à partager cette joie avec eux, à ce programme communément appelé Baby Shower. Moine enfant mille atouts. Retenez bien la date, il s'agit du dimanche 8 octobre 2023 à 3 heures. Oui, ce dimanche sur MIODH. Soyez bien branchés, peut-être qu'elle vous dira combien de plats elle en a mangé avant d'en arriver là. Moine appel à tout. Moins besoin tendez, moins besoin qu'on aime. Bientôt venir, gloire, gloire à Dieu.
bientôt venir.